Mon père. La litière, pousse-toi. Je vais les mettre de l'eau dedans là. Hein? Faut les mettre de l'eau. Mais merci, je sais que tu dois faire. Couper comme a dit Catherine dans l'eau, tu les coupes dans l'eau. Mmh. Et enlever celles qui sont fanées parce que j'ai vu une boule, elle est fanée. Mmh. Ah oui, puis Geoffrey m'a demandé de lui envoyer le truc qu'on avait acheté. C'est sur tes mains que tu les as achetés des housses pour les ventilos. Oui. Parce que là, il s'est trouvé un ventilo sur Amazon. 29 euros en plus avec la télécommande. Oui, c'est nouveau ça, ils sont avec télécommande. Bah, nous, on avait pu avoir un comme ça, mais c'est parce qu'on n'avait pas assez. Nous. Oh mon bébé, bébé, je dis ouais, c'est pas. Après, je vais lui demander. Vas-y, ça va être un grand. Mais moi, je dis à Geoffroy, on en a déjà un dans la chambre. Un autre. On en a deux déjà. Deux. Mmh. Lui, c'est un grand sur pied. C'est les gamins avec. Comment ils vont pas recommencer avec ça? Recoucou, recoucou, recoucou. Et mon bébé, il est là. Le bébé, il est là. Si vous voulez voir le bébé Blacko, il est là, le pépère. Voilà. Il est là. Il est avec son papa. Donc, il va mettre petite vidéo, c'est petite vidéo de produits qu'on a trouvé à la poubelle. Oui, vous avez bien entendu, à la poubelle. Vous savez bien que quand les magasins ils ferment, ils jettent pas mal de choses et après ils sortent les poubelles. Donc moi j'ai récupéré des yaourts, enfin des yaourts, deux yaourts. C'était un pack de 16 yaourts et sur les 16, ils ont tous été écrasé, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, et j'ai pu en sauver deux. Donc c'est vanille, c'est semoule au lait, vanille, de la Madagascar, et ils sont bons jusqu'au 8-07, qui veut dire qu'ils sont encore bons jusqu'au mois de, bah, jusqu'au 8. Donc là, genre, j'ai vérifié, ils sont pas abîmés, ils sont pas troués ni quoi que ce soit. Donc sur les 16 yaourts, bah, j'en ai récupéré deux, malheureusement. Voilà. C'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai récupéré un 4 quarts. Donc je ne sais pas pourquoi. Bar en pâtissier. La marque Les Pâtissades. Je ne sais pas pourquoi ils les ont jetés. J'ai regardé partout s'ils étaient moisis ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'ils l'ont jeté parce que apparemment, voilà, apparemment au milieu, il s'est carrément fondu. Peut-être à la force de les mettre les uns sur les autres, bah, ça doit écarter un petit peu le 4 quarts. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont jeté. Et ils sont bons jusqu'au 01-01-08-2024. Que veut dire qu'ils sont bons, que veut dire en presque deux mois, non, ouais, presque, non, tout, un mois et demi, parce qu'il y a tout le mois de juin, tout le mois de juillet, et le 1er août. Donc, à mon avis, c'est ça, ils ont dû le jeter, tout simplement, parce que vous voyez, c'est tout cassé au milieu. Je sais, j'ai pas droit au sucre. Mais bon, quand j'ai vu ça, je pense que tout le monde aurait vu ça. Et je pense que n'importe qui l'aurait pris et l'aurait mis dans son sac. Et j'ai une amie justement, enfin une petite voisine hein, qui est diabétique aussi. Et elle en achète de temps en temps et elle en mange. Tu as droit à une seule part, une petite part le matin, tous les jours. Voilà, c'est pas une petite part qui va... à faire caca nerveux pour notre diabète. Donc je l'ai pris. De toute façon, si je l'aurais pas pris, de toute façon quelqu'un d'autre l'aurait pris.
Et comme j'avais plus rien pour le petit déjeuner, donc ça tombe bien. Voilà, comme ça au moins, j'ai un 4 quarts. Oui, au bout d'un moment, on va voir. Donc moi, je vais prendre un petit yaourt comme ça, du coup. Oui, au bout d'un moment. Oh, le poids d'un bébé. Et on a. Et j'ai récupéré de magnifiques roses à la poubelle aussi. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont tout jeté. Et ils en ont remis des nouvelles. Ils sont pas du tout abîmés. Peut-être dans le tas, il y a peut-être une ou deux qui doit faire un peu la tête. Mais. Ils n'ont pas du tout abîmé. Et il y en a beaucoup, 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 justement. Beaucoup de personnes qui les ont récupérés. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui les ont récupérés. Et qu'on va, d'ailleurs, les mettre... Touche pas! Bébé, tu manges pas. Donc d'ailleurs, hop, on va la récupérer. Voilà. Les sacs, on va les mettre directement à la poubelle. Ah mince, j'ai coupé le... Le quoi? Touche. Ah, le sachet. Ouais, sachet, c'est... Là, je suis en train de faire de la manger au chat, moi. Excuse-moi de vivre. Tu veux de la cam? Eh, fais comme dans Scarface. Non mais l'autre, il a sa pyramide entière. La poche d'eau. Donc, Wally Wallou. Donc, on va, hop. On va enlever tout ça. Et après, on va aller trier. Donc, je vais vous descendre un tout petit peu. Voilà. Comme ça, je vais trier les... fleurs. Voilà, je vais les mettre là. Hop. Donc ça, bien sûr, c'est des petits sachets à mettre dans l'eau, bien sûr. Voilà. Bon, bien sûr, on a qui vont être peut-être abîmés. Il suffit de les enlever. Comme ça, au moins, pour une fois, alors à des fleurs. C'est pas fini, ça y est encore. Tiens, mon bébé. Hop, voilà. Ensuite, on a des jolies roses. On a des jolies roses comme ceci. Donc pareil, hop. Chip parce que je vais prendre chez lui, maintenant ils font bien les chips. Il t'a dit il faut couper le bout. Catherine, elle m'a dit tu les mets dans l'eau. Une fois qu'elles sont dans l'eau, tu les coupes. Pourquoi une fois dans l'eau? Bah, je sais pas, vu que c'est mieux. Je vais m'amuser à les prendre par l'eau. Tu les coupes avant de les mettre dans l'eau. Normalement, on les coupe avant de les mettre dans l'eau. Bah oui, parce que là. Ridicule là. Ridicule là. C'est bon. Okay.
euros. Voilà. Moi, je pense que 2 sachets, ça devrait suffire. Peut-être 3, je ne sais pas. Se mettre dans l'eau. Et les sachets, là, c'est bien pour mettre dans l'eau, hein. Oui. On pourrait bien. C'est pourquoi? Là, tu mets ça, tu mets un aspirine ou un peu de carrette. Et là, tu as pas de carrette, là, tu mets. L'eau est dure avec le... Voilà. Et le dernier qui est très très joli. Franchement, il est super. Donc comme j'avais pas de pot, machin là, donc j'ai récupéré un pot comme ça, que Aldi ils avaient, donc je l'ai récupéré, apparemment il n'est pas troué, donc voilà, donc on va mettre de l'eau. Je pense qu'il y en a assez. Hop, parce que les roses, ça boit quand même pas mal de. Ça boit quand même pas mal de. Hop, on va mettre les produits dedans qui s'achètent. Ouais, je pense que les trois, ça va. Bah tu mets en fonction de ce qu'il a pris comme rose. C'est un dans le sac de rose. Ouais mais j'ai peur d'en mettre si j'en mets trop après. Bah t'as acheté 2 paquets, t'aurais mis les 2 trucs. Hein. Je suis en train de les droguer les fleurs. Alors, nous allons mettre. Bah, déjà celui-là, hop, il n'y en a pas. Celui-là, bah, tout ce que je vais mettre là, c'est mort. Là, la fleur, ah oui, okay. Je vais me mettre bien. Voilà, on va faire. On va faire le jardinier. Hop. Donc on va enlever un petit peu les feuilles là. Voilà. Alors. Hop. Hop. Toc. Là les feuilles, hop, on va enlever là. Ça va, hop, elle a un petit peu abîmé. Les feuilles, voilà. Ils sentent pas vraiment beaucoup, mais voilà, ils sentent. Alors, ensuite, une rouge. Voilà, toc. Hop. Voilà. Une rouge.
Dans ceux-là, est-ce que c'est les mêmes? Non, c'est une blanche sur deux blancs. Ah, il y a des blancs. Il y a des blanches. J'ai même pas vu des fleurs blanches. C'est génial. Hop. Donc moi, on m'a toujours appris qu'il fallait les couper en travers comme ça. Voilà. Donc on rebolote. Bon, celui-là. Hop. Elle est morte. Ça là, ça va aller un petit peu. Hop, on essaye de... Hop. Une rouge, celle-là elle est bien ouverte. Hop. Voilà, tu vas avoir des fleurs un peu à la maison. Ça fait pas de mal. Alors, une comme ça. Ça égaye. Ça va égayer un peu. Ça va égayer un peu la maison. Comme du fait qu'ils vont être dans l'eau. Qui vont être dans l'eau et tout ça. Hop. Ça là, non. Ah. Elle va pas tarder à... Hop, les feuilles là. Hop. Voilà. Ça là, elle est morte. Ça là, ça a l'air d'aller. Ça là, presque plus de... Hop. Une petite blanche. Voilà, on va recommencer par une jaune. Voilà. Hop. Une jaune. On va commencer par une rose. Hop. Toc. Regardez comme elle est belle celle-là. Elle est magnifique. Par contre, ça pique. Hop, celle-là, elle est morte. Celle-là, elle est morte. Celle-là, ça a l'air d'aller.
problème, c'est que ça glisse. Les fleurs, elles glissent, donc c'est pas facile. Ah, celle-là, elle est morte. Aïe. Non. Les feuilles commencent à s'abîmer. Hop, les enlever. Oh là là, il ne reste plus qu'une feuille. Ensuite, on continue. Voilà. Bon, ça là, elle est abîmée. C'est pas la peine. Ça là, elle est morte. Ouais, elle est complètement morte. C'est pas la peine. Ça là, pour l'instant. J'enlève juste là. Hop. Hop. Voilà. Hop. Voilà, j'ai changé de métier, je suis devenu jardinier fleuriste. C'est mon prochain métier. Hop. Je toque. Hop. Voilà. Ça là, elle est morte. Hop. Une belle fleur comme ça. Hop. Je toque. Voilà. Bon, celle-là, c'est pas la peine. Elle est morte. Celle-là, ça a l'air d'aller. Et ça fait un beau bouquet. Ça fera un super bouquet. Hop. Voilà. Bon, il y a beaucoup de jaune et beaucoup de rouge. Hein. Je l'entends. Hop. J'espère qu'il y aura assez d'eau. Hop. Voilà.
Donc après, celui-là, ça va revaler. Hop. Voilà. 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 C'est combien le bouquet normalement? C'est 3,99. Oui, c'est ça. Petites roses. Ouais, 3,99 normalement ça vaut. Les petites. Normalement ils ont des grandes, mais là ils ont pas. Voilà. Là, pour l'instant celle-là. Allez, ouais. Attendez. Voilà. J'espère qu'ils sont pas trop serrés. Après, tant qu'ils ont de l'eau. Hein. Hein, normalement, tant qu'ils ont de l'eau, ça va. Hein. Tant qu'ils sont dans l'eau. En plus, j'ai mis le machin là. Normalement, il devrait. Un petit peu là. Voilà. Et je crois qu'on va les laisser dehors. Les roses? Ouais. Ah bah oui, bébé, il va les manger. Voilà. Les lèvres, la bête. Ils sont mortes. Ah oui. Des pétales. Une rose parmi les roses. Ça y est, c'est moi. Bah oui, regarde la vidéo, regarde. On voit ma petite tête. J'espère qu'ils sont pas trop serrés. T'as mis de l'eau là? Oui, jusqu'à là. D'accord. Mais bon, ça boit beaucoup hein, aussi les roses. Il va falloir les changer régulièrement. Ah non, j'ai mis le produit, il faut rajouter de l'eau, oui. Non, rajouter de l'eau, c'est ce que je dis. Voilà, c'est plus les feuilles qui. Les feuilles vertes qui sont. Qui partent. C'est pas vraiment. C'est pas vraiment la fleur. C'est où qu'on avait acheté le truc pour les plantes l'année dernière? Tu vas les mort. L'engrais en plus là qu'on avait acheté. Ah, je sais pas moi. Ah, c'était à Leclerc. Pour les tomates, je pense qu'il fera qu'on en prenne. Et voilà, donc tout ça poubelle. Voilà.
Voilà les jolies roses pour Cécile. Oups. Voilà, joli bouquet. Dommage, j'ai pas assez de. J'avais pas assez de. Enfin, j'ai pas assez. De couleurs. Par contre, la petite voisine, elle a réussi à avoir des roses oranges. C'est dommage que je les ai pas vues avant. Je les aurais pas vues avant, sinon, je les aurais mis dedans. Ça aurait fait encore plus de couleurs. Donc voilà. Voilà des jolies fleurs. Donc ça, je vais mettre ça dans un sac. Dans un sac à part. Hop. Et bien fermer le sac, je ne voudrais pas que éventuellement bébé qui s'amuse à manger. Comme c'est pas bon pour les chats, les roses, c'est très toxique pour eux. Hop. Putain. Hop, voilà, c'est pour ça. Toc, je vais faire un nœud. Hop, je fais un nœud pour pas que celui il est tellement curieux qu'il serait capable d'aller regarder dans le sac. Donc voilà, et je vais le mettre dehors, dehors, mais où je pense qu'ils seraient mieux, ils seront mieux dehors, à l'air libre, qu'à l'intérieur. Je pense qu'ils vont qu'ils resteront plus. Resteront plus vivaces. Je sais pas, peut-être dans la chambre. Peut-être les mettre dans la chambre. Je vais voir. Ouais, je prends dans la chambre. Ça va manger, ça va être short. Ça va être short en plus du fait qu'il y a le grand sac de terreau que j'ai mis dehors. Donc ça va être short. Par contre, j'ai soif. J'avais pas soif tout à l'heure. Et là, je commence à avoir un petit peu soif. Donc, Wally Walou. Donc, j'espère que cette petite vidéo de mon nouveau métier de fleuriste vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure de fleurs. Ouais. Elle est contente, elle a une tonne de fleurs. Regardez, j'en ai plein. Tu aurais pu au moins me dire merci au moins. Merci. Oh, 3 heures après la meuf. Non, je crois que j'ai déjà dit là-bas. Bébé aussi, il est content d'avoir plein de roses. C'est en train de me sniffer de fleurs. Les autres doublacos qui font trop, ils les ont déjà repérés tout à l'heure. Ouais, bébé, ils les ont déjà repérés. Il me dit chouette de la couleur, ouais, on va pouvoir. Et non. Ouais, ça. C'est interdit pour toi. Allez. Ça, c'est son truc. Je vous dis ciao, ciao, et on se dit à très bientôt. Bye, bye.